La fission est en deuil. La Camargue frémit d'une immense douleur. Un malaise s'étend bien au-delà du Rhône. La mort vient d'emporter un homme de taureau, sûrement le plus grand, Marcel Raynaud. Qui ne connaissait pas l'excellent manadier, humble comme pas un, rude dans son métier, souriant et détendu aux masses du grand radeau. Marcel Raynaud était de ces hommes façonnés par leur passion. Tout au long de sa vie, il a été guidé par le taureau, sa Camargue et les gens qui la peuplent. Il a consacré sa vie avec amour et passion à sa famille, à ses bêtes et à sa terre natale. Puis, quand est arrivé le moment de jeter un œil dans le rétroviseur, il a transmis son amour et sa passion. À tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin, il a raconté les rencontres qu'il a vécues. Il a partagé, intarissable, une vie de passion au service de notre culture. Il a retracé les leçons que la vie lui a enseignées. Marcel Raynaud était un homme de vérité, à l'écoute de toutes et tous. Avec la sagesse qui le caractérisait, il apportait toujours un conseil avisé à celui qui souhaitait avancer dans une vie où le taureau est roi. Nous autres Aubésiens avons eu l'honneur de bénéficier de son écoute toute bienveillante. Tel l'homme sage qu'il était, observateur et silencieux, sa clairvoyance était une plaidoirie pour sa Camargue et ses acteurs. Marcel a écrit sa vie avec authenticité. Il a vécu la Camargue au fond des veines. Marcel est parti vers un ailleurs. Il veille d'un peu plus loin sur sa Camargue et ses taureaux. Mais aujourd'hui, il est là, avec nous, sur ce plan d'Aubé qu'il affectionnait tant. Il est là, plus présent que jamais. Pour nous, il n'en finira pas de ne plus revenir. Dormez en paix, l'ami, et n'ayez crainte. Le pacte moral qui lie les Aubésiens à la manade de Raynaud depuis plus de 117 ans est un pacte inscrit pour l'éternité. Merci. Depuis notre enfance, le 15 août marque notre fête. De Charles Raynaud, il y a quelques années, à Angèle Cobourg, le 15 août rime avec la manade de Raynaud. Aujourd'hui, Marcel, tu as tiré ta révérence et nous pensons à toi et aux grandes vies que tu as laissées. Que de souvenirs, que d'anecdotes nous avons partagées avec toi, homme passionné par ton métier, défenseur de nos traditions, gourmet surtout en pâtisserie. Et qui ne se souvient pas de ton lacet de la Sceau? Aujourd'hui, notre village est orphelin de ta présence. Un petit souvenir va être remis à ta famille, en espérant qu'il trouvera une place de choix dans cette salle du Grand Radeau où tu es si fier de recevoir le monde. Marcel, aujourd'hui, tu peux reposer en paix tous tes héritiers, ton frère, tes enfants, tes petites filles et ton arrière-petit-fils continueront à œuvrer pour que dure encore longtemps la devise rouge et bleue. Merci, mesdames. Merci. Je voudrais remercier au nom de toute la famille Raynaud le village d'Aubé. Vous raconter une petite anecdote, c'est qu'en 1904, quand Mathieu Raynaud a acheté la manade de Papineau, il était ami avec le maire d'Aubé, et le maire d'Aubé a dit
Je veux que ta première course, tu la fasses sur le plan, chez moi. Et depuis 1954, la manade Reynaud mène les taureaux à Aubé. Et je remercie tout le village d'Aubé d'avoir été fidèle à notre prestation dans ce plan. Merci à Léon Moreau, Gilles Pascal, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.